Bonjour Mina-san! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans la préfecture de Miyagi, dans la région de Tohoku, au nord du Japon. C'est un coin qui n'est pas très connu, pas très visité par les touristes occidentaux, et pourtant, il y a pas mal de trésors. Au programme, une vue magnifique sur une multitude de petites îles, classées dans le top 3 des plus belles vues du Japon, me balader le long des gorges d'Akiu Onsen, et participer à un atelier pour peindre une poupée traditionnelle japonaise. Et terminer par Sendai et une balade au mont Aoba. Ikimashou! Première destination, Matsushima, une baie avec plein de petites îles, 260 exactement. Comme je le disais tout à l'heure, Matsushima est dans le top 3 des plus belles vues du Japon. Les deux autres étant l'atoll dans l'eau de Miyajima et Amano Ashidate, un bras de terre séparant deux grandes étendues d'eau. J'étais déjà allée voir ces deux spots, du coup il ne me restait plus que Matsushima dans ma to-do list. Il y a différents coins à Matsushima pour admirer ces îles et cette vue. Il y a par exemple des tours organisés en bateau pour voir une partie de ces îles. Pour ma part, j'ai pris la version économique, à pied. J'ai traversé un pont et après je suis allée sur l'île de Fukula. Puis ensuite je suis allée sur un second spot, cette fois-ci dans les hauteurs, pour avoir un super panorama lors du coucher de soleil. Je suis maintenant au second spot, il s'agit du mont Otakamori. Je dois encore marcher 15-20 minutes afin d'arriver au sommet et d'avoir la vue sur les îles de Matsushima. Deuxième destination, Akiu Onsen, une petite ville thermale pleine de charme, un endroit parfait pour se prélasser dans les sources d'eau chaude, mais aussi profiter de l'ambiance par une petite balade le long de la rivière Natori. Et une nouvelle fois, on dit que ce site est classé dans le top 3, cette fois-ci des sources d'eau chaude au Japon. D'après la légende, on dit que l'eau d'Akiu Onsen aurait guéri la maladie d'un empereur. Rien que ça. Nouvelle destination pour aujourd'hui, je suis à Akiu Onsen, au programme Gorge, village d'artisans, et Onsen, les sources d'eau chaude. Ikimashou! Avec les derniers sakura de la saison, les gorges de Lailaikyo sur la rivière Natori.
Je me rends ensuite au Akiu Craft Park avec en tête l'idée de peindre une kokeshi, une poupée traditionnelle originaire de la région de Tohoku. Elle est réalisée à l'aide d'un tour à bois et elle est peinte à l'encre. Et, armée d'un pinceau et de deux pots d'encre, rouge et noir, je laisse parler ma créativité. On approche doucement de la fin de cette vidéo et voici quelques images de Sendai, la capitale de Miyagi. Je suis au centre international de Sendai et derrière moi un étang. On dit que c'est ici qu'a débuté le patinage artistique au Japon. Ça serait un Allemand qui l'aurait enseigné aux Japonais au milieu de l'ère Meiji. En marchant jusqu'au sommet du mont Aoba, on peut voir les ruines du château de Sendai. En 1970, il fut partiellement démantelé par le gouvernement et le reste du château a été endommagé par les bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale. Non loin, on trouve aussi le sanctuaire Gokoku, une statue du fondateur de Sendai, et une vue splendide sur la ville et ses nombreux gratte-ciel. Je n'ai pas visité Sendai plus que ça. À ce moment-là, le temps était très pluvieux et du coup, ça m'a un petit peu démotivée à découvrir le reste de la ville. Malgré tout, je suis sortie un petit peu. Je suis notamment allée à la patinoire de Sendai parce que c'est là que le célèbre patineur Yuzuru Hanyu a grandi, a commencé à faire du patinage artistique et du coup je l'aime beaucoup. C'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans la région de Tohoku. Matane !